Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler du Bitcoin. Voilà, qui vient de dépasser la barre des 30 000 dollars. Nous allons en parler brièvement. Voilà, donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, et donc, vous le savez. Voilà, depuis voilà ce matin, nous avons constaté que le Bitcoin a dépassé la barre des 30 000 dollars. Voilà, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que tous les analystes voilà étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait briser voilà cette résistance, alors qui était pour eux, en tout cas l'effet qui allait voilà propulser le Bitcoin. Donc selon eux, il faut briser cette résistance afin que le Bitcoin puisse commencer une croissance vraiment idéale. Alors, cela vient d'être fait. Alors, qui est très heureux actuellement, c'est MicroStrategy. Alors, qui est ce fonds d'investissement-là, qui a payé assez de Bitcoin. Ils sont actuellement à 140 000 Bitcoin exactement qu'ils ont acheté. Alors, en avril 2000. 20, en avril 2000, le 5 avril 2023 là, ils ont même ajouté encore 1045 bitcoins qu'ils ont ajouté encore à leur portefeuille, qui a augmenté le portefeuille à 140 000 bitcoins. Alors, jusqu'en juin 2022, on va dire que MicroStrategy était en perte. En perte pourquoi? Parce que quand on fait la moyenne de toutes les voilà comment on appelle des pièces de bitcoin que ce fonds d'investissement a acheté depuis, voilà, le fait que depuis le moment où ils ont commencé à acheter le Bitcoin jusqu'à maintenant. Alors, quand on faisait la moyenne, alors on se rendait compte qu'ils ont payé, voilà, pratiquement chaque Bitcoin, quand on fait la moyenne des prix, voilà, le taux moyen était à 29 800 dollars pour un Bitcoin acheté. Alors, tant que le Bitcoin n'avait pas franchi la barre de 30 000 dollars, ils étaient encore en perte. Jusqu'en juin 2022, ils étaient encore en perte. Alors, jusqu'à récemment, encore comme je l'ai dit, ils ont ajouté un peu de Bitcoin pour faire les 140 000. Alors, la valeur monétaire de tout ça faisait 4,2 milliards de dollars qu'ils avaient investi en Bitcoin. Le fait que Bitcoin a atteint la barre des 30 000 dollars, alors quand on calcule le gain qu'ils ont fait, alors ils ont fait plus de 40, actuellement ils sont en gain de plus de 49 millions de bénéfices, 49 millions de dollars en bénéfices actuellement. Donc actuellement ils se frottent les mains. Alors si le Bitcoin continue son ascension, ces 49 millions de dollars vont se transformer en des milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ils ont cru au Bitcoin. Alors ils faisaient ce qu'on appelle le DCA. Voilà. Alors chaque fois qu'ils peuvent, ils en achètent, ils ne regardent même pas le prix. Certains se disaient, mais vous avez acheté même des bitcoins à 50 000 dollars. Vous avez acheté souvent à 16 000 dollars quand c'était descendu. Alors, tout ceci, quand on fait la moyenne, ils sont à 29 800 dollars pour tout l'achat qu'ils ont fait par bitcoin. Alors, ils étaient en perte. Alors, beaucoup se moquaient d'eux. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de se frotter les mains. Et ce n'est que partie remise parce que le bitcoin n'a pas fini de faire sa course encore. Le temps va atteindre le 2025. Alors, vous imaginez ce qui va se passer. Alors, c'est pour vous dire aujourd'hui que dans la crypto-monnaie, alors seule la patience paye. Alors, faire du DCA, c'est une meilleure façon de pouvoir investir en crypto-monnaie. Ça vous permet quand même d'atteindre un objectif. Vous devez vous donner un moment de sortie, un moment d'entrée. Et tout ça vous permet d'atteindre des objectifs avec un plan bien établi. Voilà, une bonne stratégie d'entrée, une bonne stratégie de sortie. Cela vous permet de vous, vraiment, de vous positionner efficacement. Maintenant, c'est sur quoi vous positionnez. Alors, eux ont choisi le roi de toutes les crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Alors, ils se sont positionnés sur le Bitcoin. Ils n'ont pas fait d'achat d'Ethereum, rien du tout. Ils sont avec, on dit que Michael Saylor de MicroStrategy, on l'appelle le Bitcoin maximaliste parce que lui n'a Dieu que pour le Bitcoin, pas autre crypto-monnaie. Alors, il dit que c'est le Bitcoin et rien d'autre encore. Voilà, donc. Il est plus concentré sur les bitcoins. Mais aujourd'hui, il a raison parce que, quoi qu'il advienne, chaque crypto-monnaie a sa façon de fonctionner. Celui-là, il a choisi le bitcoin. Il sait pourquoi il a choisi. Parce que les fondamentaux du bitcoin, alors, c'est carrément différent de toutes les autres crypto-monnaies existantes. Ce qui fait de sorte que, quel que soit X, aucun gouvernement ne peut avoir accès au bitcoin pour dire ils vont bloquer, voilà, son ascension. Alors, pour certaines autres crypto-monnaies, on ne peut pas en dire autant, même Ethereum encore.
c'est encore discutable parce qu'ils sont passés au proof of stake. Alors quelqu'un, voilà, un gouvernement ou un fonds d'investissement qui a assez d'argent peut venir payer beaucoup d'Ethereum parce que le fait de détenir des Ethereum pour aller les mettre en staking, vous devenez validateur de nœuds. Alors si vous êtes validateur de nœuds, que vous avez plus de 80% de tous les Ethereum en circulation, alors vous contrôlez le système, ce qui n'est pas possible avec le Bitcoin. C'est pourquoi lui, il a choisi spécifiquement le Bitcoin pour pouvoir vraiment faire ses investissements et présenter ça à ses différents investisseurs, toutes les personnes qui viennent vers eux. Ils ont dit, voilà, quel que soit X, soit le Bitcoin le seul qui peut atteindre ses objectifs. N'oublions pas aussi que Shiba aussi est là. Il a copié les attributs du Bitcoin. Alors ça, on ne va pas encore revenir ici. Alors je vous ai toujours dit que le Shiba copie le Bitcoin, mais il a encore amélioré certains facteurs du Bitcoin. Alors ce qui fait de sorte que lui aussi, c'est une pièce qui au fur et à mesure devient déflationniste. Et aussi, il est incensurable aussi parce qu'il appartient à une communauté. C'est la communauté qui gère. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Tu as venu serrer le cou de Ryoshi pour dire, Ryoshi, donne-nous les différentes informations sur le Shiba. Tu vas le voir où pour serrer son cou. C'est de la même manière, tu ne peux pas voir Satoshi Nakamoto pour serrer son cou, pour dire, ton compte Bitcoin là, il faut nous déverrouiller, il faut nous donner la clé privée. Tu ne le vois là, tu ne le connais pas. C'est la même chose que le Shiba a fait aussi. Donc vous comprenez là que voilà une autre crypto-monnaie qui est qui a aussi, comme le Bitcoin, en 2009, en 2010, à côté de toi, il est en train de tourner, et puis un matin, tu ne comprends rien, il est arrivé à un certain niveau, tu dis, mais comment il a fait pour arriver là? Ah, il a passé devant toi ici, tu le négligeais, et voilà qu'il s'est positionné. Voilà ce que le Shiba aussi est en train de faire aussi, par rapport à tout ce qu'il est en train de mettre en place, comme fondamentaux, le Shibarium, bientôt aussi, qui va encore venir booster encore tout ceci. Alors, lui aussi, il a beaucoup de choses à nous dire. Voilà ce que je pourrais vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, la formation prochaine au niveau voilà, de la ville, parce que nous sommes quittés déjà à San Pedro, je salue Teibi là-bas, voilà, leader de San Pedro. Alors, ça a été vraiment un événement assez intéressant. La formation s'est bien passée là-bas. Voilà, nous remercions vraiment tous ceux qui étaient à cette formation. Voilà, donc, la prochaine édition, vous aurez la date, voilà, à temps voulu. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation pour moi a été reportée à une autre date ultérieure. Alors, vous serez aussi informé dès que nous en saurons davantage. La formation au niveau de Korogo, c'est prévu le 29 et le 30 avril de ce mois-là. Voilà, donc, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Kone pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Gagnoua, c'est prévu le 27 et le 28 mai prochain à Gagnoua avec grand, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, demander pour vos différentes inscriptions au niveau de Gagnoua. La formation d'Abengourou aussi, cette formation aussi, c'est pour très bientôt. C'est prévu le 28 et le 29, voilà, juillet. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.